Bonjour et bienvenue sur la chaîne InfoSport. N'oubliez pas de nous laisser le petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps en raison de son immense carrière et de son palmarès. Fan de voitures, la star gabonaise collectionne les bolides. Avant de parler de la fortune de l'actuel joueur du Barça, nous passerons en revue son parcours riche en accomplissements. Milan AC à l'AS Saint-Étienne, le passage de l'ombre à la lumière. Le natif de Laval a rejoint l'AC Milan en février 2007. Il s'illustre pendant la Champions Youth Cup 2007 en août 2007 en terminant meilleur buteur du tournoi, avec 7 réalisations en 6 matchs, remportant le trophée Roberto Betga. Mais Aubameyang n'a jamais fait ses preuves dans l'équipe première du club lombard. S'en ont suivi des prêts répétitifs pour le Panthère. D'abord, Milan décide de le prêter à Dijon en 2008, dans l'antichambre du football français. En 39 apparitions, il a inscrit 10 buts. Il a été successivement prêté à Lille. 2009 à 2010, 24 matchs, 2 buts. Monaco. 2010 à 2011, 23 matchs, 2 buts. L'AS Saint-Étienne. 35 matchs, 10 buts. En 2011, il a été signé jusqu'en 2013 par les Stéphanois qui ont cru en lui. En 2 saisons, et sous les ordres de Christophe Galtier, Aubameyang a inscrit 31 buts en 62 matchs, soit un but chaque 2 matchs. Plusieurs clubs européens se sont manifestés pour l'enrôler. Mais, c'est le Borussia Dortmund qui a su incliner le cœur de Aubameyang. Borussia Dortmund, la grande explosion d'Aubameyang. Le 4 juillet 2013, Pierre-Emerick Aubameyang signe un contrat de 5 ans avec le Borussia Dortmund contre un chèque de 13 millions d'euros, plus des bonus. Pour son premier match avec le club allemand, le Gabonais a fait trembler les filets adverses à 3 reprises. Il est devenu le premier Africain à marquer 3 buts dès son premier match de Bundesliga. Avec Dortmund, il a joué 213 matchs contre 141 apparitions égalant des records. Malgré les pressions du PSG, il rejoint Arsenal en 2018. Arsenal, un bon début et une fin difficile. Le 31 janvier 2018, lors du dernier jour du mercato hivernal, Aubameyang signe en faveur d'Arsenal pour un contrat de 3 ans et demi. Le transfert est estimé à 63 millions d'euros, faisant ainsi du Gabonais la recrue la plus chère de l'histoire du club londonien. Pour sa première saison, il a terminé co-meilleur buteur de Premier League, avec Sadio Mané et Mohamed Salah, 22 buts, devenant ainsi le premier joueur à terminer meilleur buteur en Bundesliga et en Premier League. Durant son séjour à Londres, il a inscrit 92 buts en 162 matchs. Mais cette saison 2021-2022, le Gabonais a résilié son contrat avec les Gunés en raison des problèmes avec son entraîneur Mikel Arteta. Pour indiscipline, le technicien espagnol a écarté du groupe Aubameyang et lui a retiré le brassard de capitaine. Tout ceci a poussé vers la sortie le Ballon d'Or africain 2015. Le Barça l'a récupéré. Aubameyang signe le 2 février 2022 au FC Barcelone après avoir résilié son contrat avec Arsenal. Depuis son arrivée en Catalogne, il enchaîne les belles performances et les buts. Qui de sa collection de voitures et sa fortune? Pierre-Emerick Aubameyang a une grande collection de voitures. À Barcelone, il a ramené avec lui son exceptionnel Ferrari 488 transformé par le célèbre préparateur Mansory pour une version finale appelée 80 Syracuse Aspidé, 600 000 euros environ à l'achat. C'est une voiture unique en son genre. Aubameyang a également plusieurs autres voitures à son compte. En novembre 2021, la fortune personnelle du Blaugrana est estimée à 17 milliards de francs CFA. Découvrons la collection de luxe des voitures de Pierre-Emerick Aubameyang.